pourquoi l'État a insisté pour que le protocole d'accord soit signé par rapport avec les étudiants? En fait, si vous vous rappelez, le président de la République, dès sa nomination, a appelé à la tenue des assises de l'école. Et c'est dans ce sens-là que le département de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis en place les concertations nationales pour l'avenir de l'enseignement supérieur et que le président a signé le décret qui a nommé le comité de pilotage. Un comité présidé par le professeur Souleymane Bachir Diagne avec des personnalités provenant de tous les secteurs de la vie sociale, politique, économique et du milieu évidemment universitaire. Et que ce comité de pilotage a conduit les concertations pour arriver à des résultats consensuels. Puisque après les auditions, après les enquêtes, après les études, s'est tenue les plénières de la concertation à King Fahd du 6 au 9 avril 2013. Et chose première dans l'histoire, les plénières ont conduit à 78 recommandations adoptées à la veille de la clôture de ces concertations et par consensus. Et évidemment, c'est cette démarche qui a présidé à ce que le gouvernement ait poursuivi pour la mise en œuvre, puisque après les concertations, le gouvernement a traduit ces 78 mesures en un projet de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche et un projet prioritaire de réforme. Et le président de la République, le 14 août 2014, a tenu le premier conseil présidentiel de l'histoire du Sénégal dédié à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et lors de ce conseil, il a pris 11 décisions majeures. Et ces 11 décisions, évidemment, mon département a la charge de les mettre en œuvre, pas seul, puisqu'il y a des décisions qui concernent, par exemple, des questions financières. Nous allons mettre ça en œuvre avec le ministère de l'Économie et des Finances et les parties concernées. Il y a des décisions qui concernent les infrastructures. Nous allons mettre ça en œuvre avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il y a des questions qui concernent le système éducatif de manière générale. Donc, 3 ministères vont être impliqués. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Formation professionnelle, technique et de l'artisanat. Il y a aussi des mesures qui concernent la sécurité, la paix dans l'espace universitaire, qui concernent aussi bien la police, la gendarmerie, qui concernent les gouverneurs, les préfets, qui concernent les parents d'étudiants, qui concernent les étudiants eux-mêmes, les enseignants et les personnels administratifs, techniques et de services. Il y a les mesures de financement de l'université qui concernent en premier le gouvernement, puisque le président de la République s'est engagé lors de ce conseil présidentiel à multiplier par 3, voire par 4, le budget d'investissement de l'enseignement supérieur. Et c'est dans ce sens que cette année 2014, le budget d'investissement, le gouvernement a mis 18 milliards. En 2015, le président s'est engagé à mettre 21 milliards. En 2016, 27 milliards. Et en 2017, 25 milliards. C'est dans ce sens-là aussi que le gouvernement a souhaité et a demandé à ce que les bénéficiaires puissent apporter eux aussi leur contribution. Et c'est dans ce sens-là que les droits d'inscription ont été augmentés, mais pas simplement pour venir renflouer les caisses de l'université, mais c'est pour appuyer le développement de la qualité dans l'enseignement supérieur, puisque sur les 25 000 que payent les étudiants de licence, les droits administratifs, c'est 10 000. Par contre, les droits pédagogiques sont 15 000, donc reviennent directement à la vie de l'étudiant et à sa formation professionnelle, à son encadrement pédagogique. Pour le master, sur les 50 000, les 40 000 sont des inscriptions pédagogiques. Pour le doctorat, les 75 000, les 55 000 sont des inscriptions pédagogiques. Donc, c'est renforcer la qualité de l'enseignement pour que notre enseignement supérieur soit dans les standards internationaux et que le jeune Sénégalais qui n'a pas les moyens d'aller à l'étranger, qui n'a pas les moyens de payer ses études à travers le privé, puisse en restant au Sénégal dans les établissements publics avoir des diplômes de même qualité, des diplômes compétitifs par rapport à ceux qui nous viennent de l'étranger. Et c'est dans ce sens-là que les concertations sont développées,
J'ai eu à rencontrer plus de 100 délégués étudiants à Thiès en juillet. J'ai rencontré plus de 230 délégués d'étudiants en octobre à Sali. Je les ai rencontrés à l'hôtel Ndiambour, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et c'est dans ça que nous avons eu à discuter autour du protocole qui concernait essentiellement les droits d'inscription, les bourses et le cas qui s'y est ajouté de Ibrahim Diouf, pour lequel je peux vous dire qu'Ibrahim Diouf a été évacué en France. Il a subi les analyses qu'il fallait et lundi, il va subir l'opération. Et donc, le gouvernement a respecté à 100% ses engagements. Donc, le fait de se réunir avec les étudiants, et j'ai tenu déjà avec les étudiants de Dakar plusieurs réunions d'évaluation de l'application du protocole. Et dans une semaine, je vais réunir tous les représentants des universités pour qu'on évalue l'application du protocole. Le gouvernement est dans un dialogue franc avec les étudiants, comme d'ailleurs avec les enseignants, comme d'ailleurs avec tous les personnels, puisque l'engagement du président de la République et à travers le gouvernement, c'est de dire que nous ne nous engageons que sur des choses dont nous sommes sûrs que nous pourrons les réaliser, et les réaliser dans les délais que nous nous sommes fixés avec nos partenaires. Parce que c'est ça le critère de crédibilité. Nous, parce que déjà les étudiants ont déjà signé donc cet accord. Sur le côté impact positif, qu'est-ce que cela peut donc amener envers les étudiants? C'est un impact très important. D'abord, c'est le fait que les ressources pédagogiques vont être gérées collectivement par un comité. Ce comité aura 50% de représentants d'étudiants et 50% de représentants de l'administration et de personnel des universités. Ce qui veut dire que ces ressources n'iront que là où les étudiants seront d'accord que ces ressources soient dépensées. C'est extrêmement important. Deuxième chose, ces ressources sont ciblées. 60% des inscriptions pédagogiques sont dédiées à l'appui à la professionnalisation. Vous le savez, un des manques de notre système d'enseignement supérieur, c'est le fait que nous avons beaucoup de formations générales et peu de formations professionnalisantes. Donc 60% iront vers ça. 20%, c'est l'amélioration des conditions pédagogiques de travail. Nous n'avons pas assez de salles de travaux pratiques équipées. Par exemple, si vous prenez l'université Cheikh Anta Diop Dakar, où il y a beaucoup d'étudiants, les examens durent trop longtemps, parce qu'il n'y a pas sans doute de moyens de payer des correcteurs. Ceci va aider à améliorer cette situation. Il y a 10% dédiés aux formations doctorales, 5% à la mobilité des étudiants. Quand l'université signe des accords avec des universités étrangères, on lui donne la possibilité d'y envoyer des étudiants. Jusque-là, n'y aller que les étudiants qui pouvaient, à travers leur famille ou à travers des amis, trouver l'argent pour payer le billet. Avec ces 5%, l'université peut faire un appel d'offres et les étudiants qui sont les meilleurs pourront y aller sans bourse déliée, puisque c'est des ressources qui sont en place. Ensuite, c'est le soutien 5% à la vie estudiantine, c'est-à-dire tout ce qui est club scientifique, club littéraire, club sciences juridiques et politiques, pour que l'animation scientifique et culturelle redevienne la règle dans nos espaces universitaires. On veut avoir une vraie université, une vraie vie universitaire et une vraie vie scientifique. Et ces ressources vont permettre aux étudiants, et puis évidemment, l'amélioration du cadre de travail. Les salles, les travaux pratiques, des mesures d'amélioration peuvent être prises, et c'est des ressources importantes, parce que si je prends, par exemple, jusqu'à l'année dernière, les droits d'inscription, ça tournait autour peut-être de 600 millions. Cette année, nous allons mobiliser plus de 3 milliards. C'est des ressources importantes. Et donc, qui devrait permettre d'améliorer les conditions. Mais à ce niveau-là, les étudiants de l'université Gaston Berger connaissent déjà la contribution de l'étudiant à sa formation que nous avions mis en place quand j'étais ici recteur avec la communauté universitaire. Et cette contribution avait permis de faire quoi? À l'époque, il y avait des masters professionnels qui étaient créés et les coûts pour s'inscrire au master, évidemment, n'étaient pas à la portée des étudiants. Et nous avions, avec la communauté universitaire, créé cette CEF
pour que les étudiants puissent se partager les coûts. Et ceci a permis aux étudiants d'accéder à ces filières professionnelles. Et ce sera donc généralisé à tout le pays. Et ça va permettre aussi à nos diplômes d'être de qualité, tout simplement. De l'université du Sénégal avec aussi le programme un étudiant un ordinateur. Est-ce qu'on peut dire que les perspectives pour l'enseignement supérieur sont bonnes? Elles sont très bonnes. Nous avons une fenêtre exceptionnelle. Je le dis, une fenêtre exceptionnelle et qu'il faut saisir. Parce que pour la première fois, voilà un président de la République qui dit « Je m'engage ». Dans le cadre de la politique de développement économique que je mets en place pour l'émergence du Sénégal, l'enseignement supérieur et la recherche sont les leviers sur lesquels je vais m'appuyer. Et je vais donner les moyens pour que cet enseignement supérieur et cette recherche se développent. Et c'est en ce sens-là que la carte universitaire s'élargit, vous l'avez dit. Nous avons une carte universitaire qui est à l'image de l'économie sénégalaise de manière générale, à l'image de ce qu'on peut appeler le Sénégal utile, qui est sur la façade atlantique. Saint-Louis, Thiès, un peu Bambey, Dakar, Ziguinchor. Avec cette année, les constructions qui vont démarrer, vous aurez la deuxième université de Dakar, à Diamnia Diouf. Vous aurez l'université du Sine Saloum de Kaolack, dédiée vers l'agriculture et les métiers de l'agriculture, qui va être une université multisite à Kaolack, à Fatick, Kaffrine, Djourbel et Toubacouta. Vous avez l'université du Sénégal oriental de Tambacounda dédiée vers les métiers des mines et les métiers connexes. Ensuite, vous avez le réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel dont le premier est déjà implanté à Thiès et le deuxième, nous allons démarrer sa construction à Matam. Et il y aura un prochain ISEP dans le cadre du grand projet pour la Casamance à Bingona. Et d'autres ISEP sont en cours de construction. Et puis vous avez cette université nouvelle. Je dirais cette trouvaille du président Macky Sall qui est une trouvaille extraordinaire. Nous le savons, nos jeunes sont connectés. Ils ont l'ordinateur, ils ont les tablettes, ils ont les téléphones portables. Ils cliquent à tout bout de champ. Mais ça c'est une arme extraordinaire pour la connaissance, pour la science, pour la technologie. Et c'est en ce sens-là que cette université virtuelle sénégalaise a été créée. Déjà, il y a eu la tournée pédagogique. Dans quelques jours vont démarrer les cours transversaux au niveau de toutes les régions où nous avons ces étudiants. Et cette université a été conçue avec deux aspects importants. Évidemment, comme toute université virtuelle, il y a un siège qui sera à Diamnia Diouf, dans la cité du savoir. Et puis, il y a les moyens de donner la possibilité aux étudiants et aux populations d'accéder à la connaissance partout où elles se trouvent. Et ces populations-là vont avoir dans chaque département un espace numérique ouvert, ENO. Le mot ENO, il faut le retenir parce que ça va devenir un élément de la vie quotidienne des Sénégalais et de la jeunesse. Un ENO, c'est quoi? C'est un bâtiment où il y a un amphithéâtre de 200 places avec salle visioconférence, connexion internet et tout, et 200 ordinateurs connectés, où les étudiants de l'UVS peuvent venir suivre leurs cours, peuvent venir se connecter, faire des recherches, mais ces ENO seront aussi ouverts aux lycéens, seront ouverts aux étudiants des universités publiques comme privées, seront aussi ouverts aux populations. Par exemple, je prends l'exemple des journalistes qui sont dans les régions. Ce sera un espace où vous pourrez venir suivre des formations à distance, pour des renforcements de capacités ou même avoir des diplômes de licence ou de master. Ce seront des espaces où on pourrait alphabétiser les populations, où les groupements d'intérêt économique de femmes peuvent venir avoir des projets, élaborer des projets, peuvent venir utiliser Internet pour vendre leurs produits. Donc, ces espaces, nous allons en construire 20 cette année, et en 2015-2016, nous aurons couvert l'ensemble du Sénégal. Et ceci va permettre de contribuer à l'accueil des nouveaux bacheliers. Vous savez, cette année, on a orienté 2000 étudiants à l'Université virtuelle du Sénégal avec 5 filières, l'anglais, la sociologie, les sciences juridiques et politiques,
les sciences économiques et de gestion et les mathématiques appliquées et informatiques. À cela, évidemment, vous l'avez souligné, c'est le programme « Un étudiant en ordinateur ». L'année dernière, plus de 6 700 ordinateurs ont été distribués aux étudiants. L'État a pris en charge tout ce qui était taxes douanières, TVA. À travers les contrats de performance, les universités ont subventionné 50% du coût de l'ordinateur. Cette année, dans le budget consolidé d'investissement, le gouvernement a mis 1 milliard pour appuyer les étudiants. Nous sommes en discussion avec l'ARTP pour obtenir 1 milliard, pour rajouter cela à ce milliard. Ça fera 2 milliards d'appui en 2014 aux étudiants pour accéder à l'ordinateur portable. Et à cela, il y a une mesure d'accompagnement, puisque nous avons terminé les travaux d'interconnexion au niveau des universités. Le réseau filaire est terminé, l'équipement Wi-Fi est commandé et nous allons signer une convention avec la Sonatel pour que les universités aient une bande passante à Internet de 155 mégas et une bande passante intranet de 2 gigas. Ce qui fera que tout ce qui est visioconférence ne posera plus de problème. Donc voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Et comme vous le dites, la perspective de développement de la carte universitaire, c'est une grande perspective. Et beaucoup de chantiers vont démarrer cette année. Et d'autre part aussi, l'Internet, son utilisation pour l'enseignement, va être un élément majeur du développement de notre carte universitaire. Mais certainement, la politique sociale des étudiants sera de mise. Elle sera de mise. Si je suis à Saint-Louis, nous avons réceptionné 3 bâtiments, 3 pavillons d'hébergement cette année, de plus de 300 lits. C'est un élément important. À Dakar, nous avons réceptionné 4 pavillons. À Bambey, nous avons réceptionné 2 pavillons. Les pavillons de Ziguinchor ont connu du retard parce que l'entreprise n'a pas été capable de respecter ses engagements et il y a eu une résiliation et une nouvelle entreprise va être prise pour terminer les travaux. Le gouvernement a décidé de mettre en place, et ça c'est un programme majeur du président de la République, un programme d'urgence de construction de logements pour les étudiants, pour un total de 20 000 lits. Et ce programme va démarrer à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où actuellement nous sommes dans la phase de démolition des anciens bâtiments. Le marché de 1044 lits a déjà été approuvé, l'avance de démarrage libérée et il suffit qu'on termine la démolition pour que la construction de ces 3 bâtiments soit faite et que l'UCAD puisse réceptionner d'ici la rentrée prochaine 1044 lits. Nous avons signé un MOU, un Memoir of Understanding, avec une société turque et pour la construction de lits et nous espérons que d'ici la fin du mois de février, nous pourrons signer le contrat qui va permettre d'avoir une planification de construction de lits dans les universités existantes pour augmenter, comme on dit, la capacité d'accueil des campus sociaux. Et évidemment, ceci va impacter positivement au niveau de la vie des étudiants et ce projet est jumelé à des constructions de restaurants, de dispensaires et de complexes sportifs. Parlons de réformes au niveau national. Réformes sociales, on assiste aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cette nouvelle recommandation? Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont celles-ci. Je pense que le président de la République a une philosophie très large. Nous avons jusqu'à présent beaucoup vécu sur le Sénégal, je dirais, salariés et le Sénégal urbain. Et les ressources du Sénégal, c'est vrai, ont souvent été redistribuées en ne tenant pas suffisamment compte du Sénégal des profondeurs, qui est quand même le Sénégal de la majorité, qui est aussi le Sénégal le plus peuplé. Et le président a une politique, je dirais, à plusieurs niveaux. Un, avec les travailleurs, les salariés, une politique d'équité, une politique aussi de transparence et avec aussi
les populations rurales, les populations des quartiers défavorisés de la banlieue, une politique aussi d'équité. Et c'est de regarder qu'est-ce qui est essentiel pour que ces populations puissent améliorer leurs conditions de vie. Quand nous regardons les populations urbaines sénégalaises, ce qui a été constant durant ces dernières décennies, c'est la hausse vertigineuse du prix des loyers. C'est aussi les modalités de calcul qui ont été mises en place et qui n'ont pas été évidemment opérantes. Et à ce niveau-là, le président a tiré les leçons et c'est une décision qu'il a prise aussi dans le sens de sa démarche politique, qui est toujours une démarche qui recherche le consensus. Parce que quand il a fallu mettre en place une commission autour du loyer, le président n'a pas cherché à savoir est-ce qu'ils sont de la majorité ou est-ce qu'ils sont de l'opposition. Il a désigné des personnalités importantes de la vie politique et sociale sénégalaise, dont le professeur Ibader Thiam, pour réfléchir et lui faire des propositions. Et à partir de ces propositions, il a voulu aller très vite en saisissant l'Assemblée nationale, qui est la voix du peuple sénégalais, et l'Assemblée a voté cette loi qui permet donc aujourd'hui aux locataires sénégalais de surpayer 100 000, d'économiser 29 000. 29 000, c'est beaucoup, c'est quand même un sac de riz et des ingrédients avec. Je crois que c'est extrêmement important et c'est de la même façon que le président de la République a pensé aux Sénégalais défavorisés, des villes comme des campagnes, qui a des enfants, qui a des familles et qui a du mal à vivre malgré tous les efforts de l'État en créant cette bourse de sécurité familiale qui lui permet, en recevant 25 000 francs par trimestre, de soutenir ses enfants, de régler des menus besoins, d'assurer même des cotisations dans des mutuelles pour sa couverture médicale, maladie, etc. Donc, c'est ça, c'est de la même façon, en mettant en place cette agence nationale d'assistance à la sécurité de proximité, de penser à ces jeunes qui n'ont pas encore la possibilité d'accéder à un emploi, mais qui leur permet d'avoir un minimum et en même temps de servir la communauté. Parce que ça aussi, c'est une idée majeure. Comment faire en sorte que notre population soit ait une culture de service à la communauté, une culture de volontariat, une culture aussi de solidarité. Et ceci, ces jeunes vont pouvoir utiliser leur temps en même temps en se formant, mais aussi en apportant un appui aux populations. C'est donc la même chose aussi qui a conduit à cette politique volontariste de logements sociaux. Vous savez, cette année, c'est 2000 logements sociaux qui vont être réceptionnés, dont une partie l'est déjà, à des populations qui étaient victimes des inondations. Et tout cela va dans le même sens. En même temps, créer l'environnement favorable à ce que, aux affaires, faire en sorte que les entreprises aient envie de venir au Sénégal et d'investir et de créer des emplois, mais en même temps, les populations défavorisées, pouvoir les appuyer, pouvoir appuyer l'école, pouvoir appuyer la santé, et enfin, pouvoir faire de notre pays un pays d'accueil. Vous savez, quand il y a des réformes, il y a beaucoup de bruit. Et le bruit est d'autant plus important que la réforme est importante. Si c'était une réforme insignifiante, ce serait passager. Mais elle est importante, elle est majeure. Et je pense que c'est ça qui explique l'intérêt de tous les Sénégalais, en particulier des acteurs de la politique de décentralisation. Et notre pays est un pays leader dans la sous-région, dans cette politique. Et c'est aussi ce qui explique l'importance majeure pour notre pays de pouvoir agir vite. C'est vrai que nous avons mis en place les communautés rurales, nous avons mis en place les communes urbaines dans les grandes villes où il y a des mairies d'arrondissement, etc. Mais il faut homogénéiser tout cela. Il faut donner plus de pouvoir aux collectivités et ensuite mettre en place plus d'équité. Moins de discrimination entre les communautés rurales et les mairies urbaines, etc. C'est tout cela à la fois qui est pris en charge et c'est ces leçons du passé qui sont tirées et c'est en ce sens-là que cette réforme
se limitent au niveau des départements. Les départements, le fait qu'elles aient des assemblées autres permet une gestion de proximité parce que les départements n'étaient pas présents au niveau de l'ancienne, ce qu'on pourrait appeler l'acte 2, n'étaient pas présents au niveau de l'acte 2. Et aujourd'hui, grâce à cet acte 3, les départements sont présents et permettront sans doute dans les années à venir de faire un saut qualitatif très important. Parce que dès lors que cette réforme sera stabilisée et que nous serons arrivés à un consensus pour regrouper les départements, je pense que nous aurons de grandes régions qui vont être des pôles territoires importants au niveau économique, avec un potentiel économique, avec un projet de développement homogène et qui permettrait à notre pays de parachever une certaine autonomisation, une certaine décentralisation de la gestion et un certain rapprochement des pouvoirs locaux par rapport aux populations. Et c'est vers ça que le président essaie d'aller. Et je crois que beaucoup d'élus locaux ont compris cela. Il y a quelques inquiétudes, particulièrement au niveau des régions, les travailleurs des ARD qui ont posé la question, est-ce qu'ils ne vont pas être les laissés pour compte? Non. Le ministre Maître Youm a magistralement expliqué que là où nous avions 14 régions et que nous allons avoir plus d'une quarantaine de départements, vous savez, redéployer ces populations au niveau des départements, cette population de travailleurs au niveau des départements posera moins de problèmes, d'autant plus que d'ailleurs, il y a déjà des régions qui sont mises ensemble. En Casamance, vous savez, il y a cette Casamance naturelle entre Ziguinchor, Sédiou et Kolda. La même chose, le Sine Saloum et tout cela. Donc, cette réforme va nous permettre, je crois, d'avoir une vision à la fois de proximité, une vision qui colle plus aux potentialités de développement des départements. Et ça va nous permettre de voir de manière beaucoup plus claire les choses à mutualiser, les questions qui sont communes à plusieurs départements et qui permettraient à ces départements de se mettre ensemble pour pouvoir aller vers un développement beaucoup plus harmonieux du Sénégal. Vous savez, je ne suis pas candidat à quoi que ce soit. Je suis candidat pour une ville de Saint-Louis qui soit une ville à l'image de l'histoire de Saint-Louis. Pour une ville qui soit à l'image de ce que cette ville recèle de potentialités culturelles et historiques. N'oublions pas, l'école est née à Saint-Louis. La démocratie est née à Saint-Louis, la démocratie moderne, je veux dire. N'oublions pas que les intellectuels de l'Afrique francophone sont nés ici à Saint-Louis. N'oublions pas que même les grandes tarikhas sont pour l'essentiel, ont été couvés à Saint-Louis à travers les visites, aussi bien de Elhadj Oumar Fouti-Utal, que de Cheikh Ahmadou Bamba, que de Alhaji Malik Sy et d'autres. Nous sommes une ville qui est, je dirais, le cerveau intellectuel et la conscience de l'Afrique francophone. Et cette ville, évidemment, a le droit et a le devoir d'exister et de rayonner. Je suis candidat pour le rayonnement de cette ville. Et tous ceux qui travailleront dans ce sens, nous travaillerons ensemble, évidemment, mes camarades de l'APR, mes camarades de Benno Bokoyakar, et la liste qui demain portera l'APR, qu'elle soit la liste de Benno Bokoyakar ou toute autre liste, et toute personne qui sera désignée pour la diriger, je travaillerai avec elle. Monsieur le ministre, une question par rapport à votre candidature. On a noté que depuis quelque temps, au niveau de votre parti, l'APR, il y a beaucoup d'agissements. Est-ce que vous croyez réellement aux chances de la paix au soir du 29 janvier? Je crois beaucoup à la chance de la paix.
Je pense que l'APR n'ira pas seul d'abord. Je pense que ça, c'est extrêmement important. L'APR a des alliés. Nous sommes dans une coalition. Nous sommes aussi dans des élections locales. Et les élections locales, évidemment, supposent des situations locales particulières. Chaque ville, chaque commune, en réalité, qu'elle soit rurale ou urbaine, est une particularité au niveau du Sénégal. Et le contexte d'alliance va se jouer, évidemment, à ce niveau-là. Saint-Louis aura sa propre réalité. Sa réalité, elle peut être une réalité d'une liste Benno Bokayakar. C'est le souhait de la paire. Ça peut être une liste aussi haute si, évidemment, les discussions n'aboutissaient pas à avoir une liste Benno Bokayakar. Mais dans tous les cas, en tout cas, ce que je crois, c'est que les listes dans lesquelles va se retrouver la paire seront des listes gagnantes. C'est notre souhait et c'est la bataille que nous voulons mener. Vous n'allez pas me faire chamailler avec mon ami et frère Cheikh Bamba Dieye. Non, et en même temps collègue du gouvernement. Moi, je ne vais pas m'apesantir sur le présent ou le passé. Nous voulons construire. Il faut construire. Il faut construire avec tous les acteurs qui veulent que Saint-Louis redevienne et dépasse ce que Saint-Louis a été. C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas de dormir sur de l'histoire. Ce n'est pas de se plaindre ou, je dirais, de se morfondre sur telle ou telle situation. C'est d'ailleurs une réalité qui n'est pas simplement propre à Saint-Louis. Vous le savez bien, les villes n'ont pas suffisamment de moyens. Mais je pense que les responsables des villes ont un rôle important, qui est le rôle de mobiliser des ressources, aussi bien nationales, aussi bien dans le cadre du partenariat public-privé, que des ressources internationales pour faire en sorte que nos villes puissent se développer et puissent avoir des cadres attrayants. Saint-Louis a ce potentiel, puisque Saint-Louis a un nom, Saint-Louis a une carte de visite et les autorités de Saint-Louis devraient jouer sur cela. Et c'est ce à quoi tous ceux qui aiment Saint-Louis devraient concourir. Particulièrement, moi je vais y concourir, j'y ai concouru déjà quand j'étais recteur de Saint-Louis. J'y concours aujourd'hui en étant ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. J'imagine que Cheikh Bamba Dieye va faire de même. J'imagine que Mansour Faye va faire de même. Alioune Badara Cissé, Ahmed Fall Braya ou d'autres. Tous, Saint-Louis est particulière. Ça aussi, je veux le souligner. Saint-Louis, c'est quand je dis que c'est là où est partie la démocratie. Saint-Louis, c'est une ville qui sait ce que veut dire voter et choisir. Et donc, il est important, je pense, que les politiques de Saint-Louis prennent bien la mesure de cette maturité politique du citoyen saint-louisien pour lui offrir une perspective, mais une perspective crédible, crédible, qui s'appuie sur des réalités. Et nous, c'est ce qu'on va essayer de valoriser, en tout cas à travers l'APR et à travers l'équipe que l'APR va proposer pour cette ville de Saint-Louis. Cette question ne se pose pas encore. Là, nous sommes en train de discuter au sein de notre parti, de la meilleure des façons possibles pour avoir la meilleure des équipes possibles pour Saint-Louis avec nos alliés. Et ensuite, évidemment, cette équipe sera présentée au niveau de la population saint-louisienne et évidemment proposée à sa sanction. Moi, je suis pour l'unité, la plus large possible. Je suis pour l'unité parce que ce pays ne pourra être construit qu'à travers un consensus. Et c'est ce que veut le président de la République. C'est pourquoi, au-delà de tous les remous que vous entendez, le président de la République l'a exprimé à plusieurs reprises, sa volonté de renforcer Benno Bokayakar et de l'élargir à beaucoup d'autres qui souhaitent apporter leur contribution. Et c'est une ouverture parce que nous sommes des pays fragiles et il est essentiel qu'à travers le pouvoir, la majorité
qu'a porté les citoyens sénégalais, se construit une majorité beaucoup plus large qui permet d'avoir un consensus sur les questions majeures, comme les questions de l'éducation, comme les questions de la santé, comme les questions de la sécurité, comme les questions de la diplomatie, mais aussi les questions de stratégie et d'émergence économique, ce qui en ferait une stabilité politique. Et donc, ici comme ailleurs, je suis pour l'unité la plus large possible, parce que c'est ça qui va mobiliser le Sénégal et les Sénégalais. Je pense que vous connaissez tout de suite la réponse. J'étais pris jusqu'au cou par ces questions de réforme qui sont extrêmement importantes. Parce que quand on dit que l'enseignement supérieur et la recherche comme levier du développement économique et social, et quand vous voyez le plan Sénégal émergent, les catalyseurs, la formation est un des catalyseurs. Si on ne l'a pas, ce n'est pas la peine d'aller loin. On n'aura rien. Donc c'est essentiel de mettre en place ces réformes. Et ces réformes, je vais vous rassurer, ne concernent pas seulement les droits d'inscription et les bourses, parce que les universités nouvelles dont j'ai parlé, il fallait bien construire les projets pédagogiques, il fallait bien mettre en place le projet infrastructurel, le projet de financement, et travailler avec le président de la République, le ministère de l'Économie et des Finances, Madame le Premier ministre, pour trouver des partenaires financiers et pouvoir trouver les financements. Vous voyez, l'université virtuelle du Sénégal, c'est le décret qu'il a créé, c'est au mois d'août. Le coordonnateur a été nommé au mois de décembre. Et au mois de décembre, le gouvernement du Sénégal a eu l'accord de la Banque africaine de développement pour financer le siège et financer 5 espaces numériques ouverts. Il a fallu en arrière-plan tout un travail des membres de mon ministère, des techniciens de mon ministère et du ministère de l'Économie et des Finances pour y arriver. C'est la même chose pour les réseaux d'ISEP, c'est la même chose pour l'université du Sine Saloum de Kaolack, la deuxième université de Dakar, les centres délocalisés de Géoul et de Kolda et les réseaux d'ISEP. Donc c'est ce travail énorme qui ne pouvait pas attendre, sur lequel nous nous sommes mis, et évidemment, dès lors que maintenant nous commençons à dérouler, on peut allier les deux, qui est d'aller sur le terrain quotidiennement, ce que je fais aujourd'hui, et ensuite de mener, évidemment, de tenir les gouvernails pour cette politique du président de la République au service de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je crois que c'est toujours un grand honneur pour la ville de Saint-Luc que de recevoir un président de la République, surtout un président de la République qui a des attaches saint-louisiennes, puisque son épouse est des nôtres, et c'est aussi un honneur que de le recevoir dans le cadre d'un des éléments de sa politique qui est un élément important et structurant, qui est la politique des infrastructures de transport. Vous le savez, cette visite à Rosso-Sénégal, et je dirais de Saint-Louis à Rosso-Sénégal, est une visite aussi qui est symbolique d'une part de cette politique de désenclavement à travers la route, qu'elle soit bitumée ou les pistes rurales, cette politique aussi de désenclavement du Sénégal tournée vers l'international, puisque Rosso-Sénégal, c'est quand même la porte vers la Mauritanie et vers le Maroc, donc le Maghreb. Donc c'est tout cela à la fois qui est ici mis en exergue, et je pense que c'est important que les populations saint-louisiennes, les populations du département de Dagana et du département de Podor et même les populations ailleurs puissent venir l'accueillir et l'encourager dans cette politique, parce que notre pays a besoin de mobilité. Les Sénégalais sont très mobiles entre le Sénégal et l'extérieur. Il faut que la mobilité interne soit facilitée pour que les marchandises, les produits puissent circuler, et c'est ça aussi qui crée la dynamique économique.